Je ne m'amuserai pas avec mon travail après 30 ans. Je ne sais pas qu ce que je ferai aujourd'hui. Je serai morte. Et bien sûr que je m'amuse. Je, je trouve que c'est un travail magnifique. De temps en temps, c'est très lourd. Euh, mais il donne beaucoup de satisfaction. Et gérer les, les chefs d'entreprise, tu sais, tu as d'être un peu c'est comme quand tu fais la maison d'un client. Tu as d'être ami, père, frère. Euh, c'est pas consulente, <laughs> un peu tout. Et c'est la même chose, c'est-à-dire, je crois que c'est de toute façon toujours une question de peau. C'est-à-dire, si tu as en bonne relation avec quelqu'un, bien sûr les visions sont différentes, mais c'est même pour ça qu'il t'épée et que tu es là-bas. Mais il a des confiance en toi, absolument, Ou sinon même c est, c est, ça ne marche pas. Et je crois que dans la discussion à deux, ça va sortir des, des choses. C'était toujours comme ça chez Cartel, chez Flos, avec Pierre ou Claudio, qui sont des très grands personnages, très forts, avec un, un esprit très puissant. Et, et de toute façon, même si de temps en temps, ça, ça passe que quelqu'un a des visions complètement différentes, ça crie, ça, ça met les choses sur la table et tout, mais c'est la seule manière pour, pour faire sortir des idées, des choses qui, sont, qui, sont, qui vont gagner. Il faut avoir une vision générale des de choses. Jamais se concentrer seulement sur un morceau. Un morceau qui peut être un produit, ou qui peut être une boutique, ou qui peut être, peut être un stand. C'est-à-dire, tout le temps, quand tu fais quelque chose, que ce soit d'une petite échelle ou d'une grande échelle, il faut voir tout dans la globalité. Quoi, sinon c'est quelque chose à spot et qui n'est pas lié avec tout le reste. Et alors je pense que ça marche pas. Il y a quelque chose qui, c'est pas, ça colle pas. Et je crois que toujours il, il faut regarder un peu les choses euh, 360 degrés, un, un peu même des choses que, qui n'ont rien à voir avec tout ça pour faire marcher tout ça. Et c'est bien pourquoi euh, ils mettent beaucoup, surtout dans la direction artistique, de, de comprendre le chemin pour comprendre qu'est-ce qu'il qu qu va être le next pourquoi sinon tu t'arrêtes là-bas bon, tu dis bon c'est fini tu n'as as pas une vision tu as pas vision contemporaine et une vision future de les choses euh, et ça c'est terrible pour quelqu'un qui a de fait des projets si tu penses par exemple cartel il a les produits pour la mise, la mise en, en production et tout ça avec les moldings et tout ils prennent minimum une année et demie, deux années c'est-à-dire sinon tu vas sortir avec un produit qui est déjà vieil en communication, que c'est déjà fait, un produit. Alors, c'est pour ça qu'il faut regarder toutes les choses.